Bonjour, chers professeurs, chers collègues. Permettez-moi de vous présenter le staff du scanner. Il s'agit d'une patiente âgée de 29 ans, sans antécédents, admise pour des malaises lipothymiques et des épisodes de syncope. Une angiotée des aimes thoraciques et abdominales ont été réalisées. L'angio thoracique a objectivé une cardiomégalie, un poumon droit bilobé avec une césure droite symétrique de la grande césure gauche, une dilatation de la veine azygos qui se jette au niveau de la veine cave supérieure, dilatation des veines sous-hépatiques qui se drainent au niveau de l'oreillette droite, une dilatation de l'oreillette gauche et des veines pulmonaires, dilatation de l'aorte ascendante et de la partie proximale de l'aorte descendante, une arche aortique de type gothique qui présente un angle aigu en son sommet. Elle doit être signalée et a pour conséquence une exagération de l'hypertension artérielle et donc un risque d'HTA péropératoire. À l'étage abdominal, on a une volumineuse veine azygos se substituant à la veine cave inférieure, continuation azygos de la veine cave inférieure avec absence de la veine cave inférieure rétrohépatique, la génésie de la veine cave inférieure expose à un risque élevé de thrombose veineuse, le foie augmenté de taille de siège médian, pancréas court avec agénésie des segments corporeo-caudal, estomac de siège, siège au niveau de l'espace hépato-rénal droit avec présence de trois splénules ipsilatéraux, tromporte pré-duodénale, le risque de sténose digestive est élevé chez les patients ayant un tromporte de siège pré-duodénal. Dans notre cas, la disposition des organes thoraco-abdominaux est différente que celle observée à l'état normal en situs solitus. On est donc devant une anomalie de situs. On distingue deux grands types, situs inversus et situs ambigus. Situs inversus se caractérise par un emplacement en image en miroir du cœur et des viscères par rapport au situs solitus. L'apex du cœur, la rate, l'estomac et l'aorte sont situés à droite. Le foie et la veine cave inférieure sont situés à gauche. Il existe deux sous-catégories de situs inversus, le situs inversus complet avec dextrocardie et situs inversus incomplet avec lévocardie. Le situs inversus avec dextrocardie est le sous-type le plus fréquent. Elle est souvent de découverte fortuite. La prévalence des cardiopathies congénitales associées varie de 3 à 5%, dont les plus fréquentes sont la transposition des gros vaisseaux et la présence d'une crosse aortique droite. Une variante extrêmement rare des situs inversus est le situs inversus avec lévocardie. Dans cette anomalie, il existe une image en miroir des organes abdominaux avec un sommet cardiaque gauche. Cette variante est presque toujours associée à une cardiopathie congénitale. Elle est de mauvais pronostic. Image en miroir du poumon. Le poumon droit est trilobé à gauche et le poumon gauche bilobé à droite. 20% des patients ayant un situs inversus présentent un syndrome de Cartagénaire qui se caractérise par une triade, situs inversus, sinusite chronique et ou polypose nasale et des bronchiectasies. Localisation au miroir des organes solides et creux et des vaisseaux intestinaux et mésentériques. La rate, l'estomac, jéjunum, colon descendant sont situés à droite. Foie, ligament de Treitz, ilion, colon ascendant sont situés à gauche. D'autres anomalies abdominales ont été décrites, comme la ramification des voies biliaires en image en miroir, l'atrésie des voies biliaires, l'ithiase, la cholecystite, la splénie ou bien une polysplénie. La génésie de la veine cave inférieure a été rapportée en cas de situs inversus complet. Le pancréas dans le situs inversus n'est pas tronqué, c'est-à-dire pas d'agénésie corporeo-caudale. Notre patient ne présente pas une localisation des organes thoraco-abdominal en image de miroir. Le foie est médian, le pancréas court, pas de syndrome cartagénaire. Donc, on peut éliminer le diagnostic de situs inversus. La localisation des organes thoraco-abdominaux chez notre patiente n'est pas compatible avec les situs solitus et inversus. On est donc devant une anomalie de situs type ambiguus. Le situs ambiguus ou syndrome d'hétérotaxie est très rare, appelé aussi syndrome cardiosplénique, et se définit par un arrangement des organes thoraco-abdominaux différents des situs inversus et solitus. C'est un situs discordant entre les différents organes. Par contre, le situs de chaque organe pré-à-part peut en général être déterminé sans ambiguïté. On distingue deux sous-types, l'isomérisme gauche ou syndrome de polysplénie et l'isomérisme droit avec asplénie.
situs ambiguës droit, le diagnostic se fait à la naissance, avec une nette prédominance masculine. Les cardiopathies congénitales sont graves et très fréquentes. L'isomérisme auriculaire est de type droit. Les poumons sont très lobés, avec des branches hyperartérielles, c'est-à-dire siègent au-dessus des artères pulmonaires correspondantes. On peut avoir aussi des anomalies vasculaires, comme la duplication de la veine cave supérieure. À l'étage abdominal, on note l'absence de la rate, grave car associée à un déficit immunitaire profond, le foie est médian. On peut avoir aussi d'autres anomalies comme la malrotation intestinale, la gynécie de la vésicule biliaire et la perforation anale. Situs ambiguus gauche, le diagnostic se fait souvent à l'âge adulte avec une nette prédominance féminine. Les cardiopathies congénitales sont moins graves et peu fréquentes. L'isomérisme auriculaire est de type gauche. Les poumons sont bilobés avec des branches hyperartérielles, c'est-à-dire siègent au-dessous des artères pulmonaires correspondantes. Les troubles de rythme sont très fréquents chez ces patients. À l'étage abdominal, le foie est médian. La polysplénie, c'est les unilatérales et les ipsilatérales à l'estomac, en raison que la rate provient des mésogastres dorsales. Chaque nodule splénique dans la polysplénie a sa vascularisation propre, ce qui permet d'éliminer le diagnostic de splénose. La rate lobulée doit être considérée comme une variante de la polysplénie. Des anomalies vasculaires, une interruption de la veine cave inférieure avec continuation azygos ipsilatérale, veine porte prédiodinale. La malrotation intestinale est présente chez 70% des patients, pancréas court ou bien annulaire. Quel est le type d'isomérisme de notre patient? Pour identifier l'isomérisme de notre patient, on doit analyser les données cliniques, l'isomérisme auriculaire et bronchopulmonaire, les malformations ou bien les cardiopathies associées, les anomalies vasculaires, le status splénique et les anomalies abdominales. La prédominance féminine, la découverte à l'âge adulte, les troubles de rythme cardiaque sont des éléments en faveur d'un isomérisme gauche. Deux méthodes pour préciser l'isomérisme auriculaire, la méthode de retour veineux systémique, elle est peu fiable, elle définit l'auricule droit comme celui qui reçoit le retour veineux systémique via la veine cave inférieure. La deuxième méthode est la méthode morphologique. Elle est plus fiable. À l'état normal, l'auricule droit est triangulaire. Sa communication est large avec l'oreillette. L'auricule gauche est tubulée. La communication est étroite avec l'oreillette. L'isomérisme auriculaire de notre patient ne peut être précisé que par la méthode morphologique via l'interruption de la veine cave inférieure. L'auricule droit était de forme tubulée. La communication est étroite avec l'oreillette. Donc, un auricule type gauche. Notre patient a une lévocardie extrême, c'est-à-dire une déviation de l'axe septum-interventriculaire vers la gauche de plus de 65 degrés, une disposition ventriculaire normale en D-lobe, le ventricule droit à droite du ventricule gauche, une communication interventriculaire qui se voit surtout dans l'isomérisme gauche, une concordance auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire oreillette droite dans le ventricule droit et oreillette gauche dans le ventricule gauche, et ventriculo-artériel qui signifie une disposition normale des gros vaisseaux. Chez notre cas, on note l'absence des malformations cardiaques graves. La gynécie de la veine cave inférieure et le tromporte prédiodinal sont des éléments classiquement décrits dans l'isomérisme gauche. Les poumons sont bilobés avec des branches souches hyperartérielles, c'est-à-dire siègent au-dessous de l'artère pulmonaire correspondante. Notre patient a une polysplénie au niveau de l'hypochondre droit, un foie médian et un pancréas court. Devant toutes ces données, le diagnostic retenu, syndrome d'hétérotaxie type isomérisme gauche, syndrome de polysplénie. Je vous remercie.